Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est mardi 23 février. Il fait chaud de nouveau. Il fait chaud à long terme parce que le temps n'a pas changé. Il fait bien. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin réussi à prendre les vidéos qui étaient sur mon téléphone que je n'arrivais pas à récupérer. J'ai mis une semaine à récupérer les trucs parce que j'ai tout mis sur Google Photos. Le temps que j'arrive à le télécharger, le temps que ça se mette, enfin, c'était interminable. J'avais trop de photos, j'en avais depuis 2019. Et enfin, elles sont là, donc j'ai plein de travail, mais avant tout, je vais monter les vidéos. Et j'en ai au moins 3 à monter, dont une que j'ai faite il y a une semaine. Enfin, c'est la catastrophe, c'est n'importe quoi. Mais j'ai envie de les faire parce que j'ai bien aimé les filmer, alors j'ai envie aussi de les monter et de les finir. Ouais, je pense que je vais le faire maintenant. Là, il est 9h30 et j'ai tout plein de trucs à faire. J'ai peur que l'après-midi, j'ai plus de force et du coup que je fasse plus rien. Pour filmer aujourd'hui, c'est pas fameux. Dans notre rue, sont effectuer des travaux de nettoyage sanitaire, j'imagine, et ça fait du bruit. En fait, ça fait, comme dit, une semaine qu'ils font des trous un peu partout, mais aujourd'hui, ils font en plus du bruit. Les voilà en bas, je sais pas, ils sont en train de faire du nettoyage. Donc moi, de mon côté, il faut que, je sais pas, que je trouve un moment où ils font pas de bruit pour filmer mes trucs. Donc entre temps, maintenant que je sais qu'ils sont en train de... ils sont très actifs maintenant, je vais faire des vidéos. Ça va mieux, je me sens plus en forme, je suis moins déprimée. Je sais pas, j'ai réussi un petit peu à... je sais pas ce qui s'est passé, j'ai réussi un peu à digérer tout ça, à me sentir mieux. De toute façon, c'est comme ça, on a des humeurs, ça, on n'est pas toujours pareil. Je suis à un tournant, on va dire, même de ma thérapie que je suis en train de faire maintenant. Ça va être la séance 6, je crois, déjà. Et en tout, il y en a seulement 9. Et là, j'ai l'impression d'avoir compris un peu le fond du truc, le fond du problème. Et ça m'a beaucoup bouleversée. Voilà, c'est pour ça que j'étais pas très bien dimanche. Mais bon, ça va, hier ça allait, aujourd'hui aussi. Je suis concentrée par le travail, ça me fait du bien, ça fait un peu circuler mon énergie. Et puis, ça fait du bien. Peut-être que j'ai trop peu fait la semaine dernière et c'est pour ça aussi que j'ai déprimé. Qui sait ? Il faut bien mettre son énergie quelque part. J'ai entendu aujourd'hui à la radio que l'Allemagne a décidé d'interdire dans les centres-villes la pause pour s'asseoir, je ne sais pas comment le dire autrement. En d'autres termes, on n'a plus le droit de s'asseoir en ville. Donc si on est dans le centre, on prend une glace, on a juste le droit de marcher avec. On n'a pas le droit de se poser dans un coin de rue, on n'a pas le droit de se poser dans l'herbe. On n'a pas le droit de faire un pique-nique. Et comme il fait beau, tout le monde est sorti, j'imagine, surtout le week-end dernier, comme nous. Et maintenant, c'est interdit. Moi, je trouve que c'est trop. Clairement, dans la ville, lorsque on est en plein air, on respire l'air, il y a du vent. Pour moi, il n'y a pas de raison d'interdire aux gens de s'arrêter, d'interdire aux gens de se poser quelques instants. Je ne sais pas à quoi ils jouent, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mais je suis prête à parier que ça va absolument rien changer dans leurs chiffres. Enfin, clairement, le fait d'être dehors, ça change rien. Surtout, bien sûr, ils ont peur qu'on enlève le masque, mais il y a du vent, c'est dehors. Voilà. Je sais pas comment ce sera chez nous, parce que c'est vrai que ici, je suis pas au centre-ville. Ici, c'est le village. Peut-être que près de la Moselle, on pourra quand même se poser. Aucune idée, mais pour le week-end prochain, je sais pas. Dans ces conditions, c'est vrai, j'ai même pas envie d'aller dans la ville tout le temps, avoir peur qu'on t'arrête parce que t'es pas en train de marcher. C'est n'importe quoi.
Jusqu'à mercredi, il devrait prendre une décision pour la suite, parce que normalement, on aurait dû être déconfiné déjà le 7 mars, mais je ne pense pas que ce sera ainsi. Je pense que ça va encore durer, malheureusement. Je suis plutôt très très contente de moi. On est 11h et j'ai fait tout ce que je voulais, presque tout, mais vraiment bien. C'était pas mal. J'ai monté les vlogs que je voulais monter. Je vais mettre juste une machine là. Et ensuite, je serai prête pour mon cours en ligne de midi. Je dois encore faire l'exercice. Il me reste justement 40 minutes pour tranquillement m'occuper, un peu me plonger dans le thème. Et l'après-midi, je pense que je vais continuer les vidéos. J'aimerais en faire au moins 2 de plus aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps. Parce que j'ai... J'ai encore du travail. Je sais qu'après le cours, je suis toujours très fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Donc... Tant pis si j'ai pas le temps de tout faire, de toute façon. Quand je veux trop faire, après je fais plus rien, donc... Ma méthode, c'est step by step. Je pense pas trop à plus tard. Je le fais au moment où ça vient. Même si j'ai quand même en tête, en général, le but. Les escaliers, franchement, m'ont montré bien dans quel état déplorable sportif je suis. Et ça va pas s'améliorer. Parce qu'à mon avis, les salles de sport vont pas ouvrir avant un an, à mon avis. Prévision, comme ça. Tous les jours, je me bats pour débloquer dans cette boîte, pardon, le truc pour laver. Il est complètement sec là-dedans, sec et humide en même temps. Voilà ce que j'arrive à faire. C'est comment vous faites vous avec ce genre de boîte énorme? C'est infaisable. Je suis prête pour mon cours. Le thé est là, presque fini. Il est super bon. C'est à la framboise et vanille. Je le buvais il y a des années de ça encore. Ça s'appelle Heisselieb, c'est amour chaud. Il est pour moi nostalgique. Quand je suis arrivée en Allemagne, quand j'ai fait mes premières expériences en Allemagne, je le buvais et je l'adore. Il est trop trop bon. Et je suis en train de faire un exercice sur lequel je bug un peu. Mais ça commence bientôt, donc il faut que je me décide, il faut que je trouve des réponses. Il fait juste tellement beau, tellement chaud. Là-bas, on voit la lune, en fait. C'est la lune, déjà. Oh, elle est là. La nuit, elle est de l'autre côté, et je reçois la lumière en pleine tronche. Il y a des enfants qui jouent là-bas avec un chien, là-bas. Et il fait trop trop cool. Les gens, ils sont en t-shirt. Moi, je suis en pull, mais seulement parce que je bouge pas à la maison. Si j'étais dehors, je pense que je me serais aussi déshabillée. Et ça donne tellement la bonne humeur. C'est presque l'été, en fait. On dirait que c'est l'été. Il fait 16 degrés. 16 degrés. On est en février. Il y a une semaine, il faisait moins 9. C'est un truc de fou. Moi, ça m'a donné trop l'énergie aujourd'hui. Je me sens bien, enfin assez bien. Surtout, je me sens énergique. Encore une journée riche en, je sais pas, compréhension intérieure pour moi. Ça s'arrête pas maintenant. Maintenant que la roue est lancée, ça s'arrête plus. À cause de ça, c'est vrai, je me sens pas très très bien parce que
m'en veux pour plein de choses alors que je sais que je devrais pas, alors que je sais que je devrais juste accepter les choses telles qu'elles sont. Mais rien que le fait que de savoir que je n'accepte pas tout tel que c'est et que je devrais le faire, eh bien, fait que je m'en veux et que je me torture à cause de ça. C'est complètement con parce que c'est anti-moi-même. Donc, dans plonger dans mes réflexions sur moi-même, là encore, je vais, je pense, continuer à travailler. C'est la meilleure chose à faire quand on a trop de trucs à penser. Et je pense aussi que si on n'était pas confiné comme ça, s'il se passait plus de choses dans le quotidien, j'aurais vécu ça autrement, parce que j'aurais eu tout le temps quelque chose d'autre qui me vient en tête et qui vient un peu changer les idées. Et là, il n'y a rien qui vient changer les idées, donc c'est en même temps bien, parce que je peux être vraiment concentrée, aller au fond de certaines choses, mais d'un autre côté, c'est ressasser tout le temps la même chose et ne pas avancer, peut-être. Je sais pas. Je me dis ça. Je suis assez contente de moi parce que j'ai, comme dit, fait toutes les vidéos du vlog. C'est pas bien que je les ai mises en ligne tout en même temps, mais qu'importe, tant pis. J'avais juste envie que ce soit fait parce que j'en avais marre d'attendre. J'en avais marre d'attendre que tout soit réparé. Donc maintenant c'est fait et c'est bien. Il y a encore une bestiole là sur ma fenêtre. Aujourd'hui j'ai eu une guêpe. Je crois qu'elle s'est réveillée à la maison parce que je sais pas d'où elle a pu venir. Donc c'est la première guêpe de cette année déjà, maintenant. Aujourd'hui on est le 23 février, c'est un peu tôt. Mais il a fait vraiment chaud. C'est à cause de ça. Ce midi j'ai pas trop mangé. J'ai réussi en général depuis hier à manger moins. Ce que j'ai essayé de faire toute la semaine dernière, je n'ai pas réussi. J'avais tout le temps trop faim. Et ben là j'ai réussi enfin. Cette semaine j'ai l'impression de m'être un peu éloignée de mon corps, comme si je le jugeais trop et que je n'acceptais pas les états dans lesquels il est. Et ça, c'est pas bien. Voilà, et encore je me juge, bref. Tout ça pour dire qu'il est presque, il est 18h déjà, et que le soleil se couche. On est encore en hiver, c'est pas encore l'été, mais si on a l'impression, non, c'est pas encore là. Le soleil se couche déjà, il fait déjà un peu moins jour qu'avant. Et le soir arrive, je vais continuer à travailler. Et quoi, que faire sinon? Mais j'aurais aimé, en réalité, j'aurais aimé juste aller sortir, me mettre quelque part dans l'herbe, et puis profiter de la journée, mais elle est finie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Chien, il attend qu'on descende, il attend d'aller dans la cuisine, il attend d'avoir un petit truc, on sait pas trop quoi, mais au moins quelque chose. Il attend un petit quelque chose. Je l'ai gâté, ce chat. Trop gâté, hein. Il miaule et il attend. Il est 20h. Je reste encore ici, je vais manger plus tard. J'attends pour ne pas manger seul. J'attends. Et je m'occupe pendant ce temps, je travaille encore. Donc chat, excuse-moi, mais il faudra attendre. Franchement, je crois que ça lui fait pas trop plaisir. La journée se termine lentement. Je me sens un petit peu fatiguée maintenant. Je suis horrifiée par tout le travail intérieur qu'il faut faire. C'est tellement beaucoup et en même temps, c'est tellement simple. Et en même temps, c'est tellement compliqué que j'en ai la tête qui tourne. Donc je pense que maintenant, je vais me reposer. Je ne vais plus travailler. Je vais juste faire des trucs pour moi, pour me faire plaisir. Et ensuite, je vais aller cuisiner. C'est moi qui cuisine ce soir. C'est rare que ce soit moi qui cuisine tout. Je pense que je vais me faire des pâtes pour changer. Ça fait, en réalité, ça fait très longtemps que je ne me suis pas fait de pâtes à la moi-même, selon mes recettes, parce que les derniers temps, on cuisine souvent ensemble, on mange souvent la même chose, et donc aujourd'hui, je vais de nouveau faire ma petite recette de pâtes, avec peut-être du thon.